Dieu doit, Seigneur, cette situation à mon commandant de vous tout. Mais il était trop fort pour moi.
il était trop fort pour résister. Nous étions destinés à perdre la victoire. Je voudrais également, je voudrais également pas gagner contre lui, mais je grimpais au sable destiné. Ainsi, je peux être victoire. C'est Jean-Jean, on parlait du destin. Nous avons réalité que mon temps est déjà prêt à accepter le destin. Voilà pourquoi, si nous devons mort abattus par les humains, nous n'avons pas objection. Nous sommes conscients. Dieu a créé les moutons pour le besoin nutritionnel de l'homme. Je vais me battre la bigre, comme vous voulez dire. Je vais me battre la bigre. Vous voulez combattre la bigre? Impossible, impossible. Vous osez combattre la tigre, vous crevez. Vous ne gagnez pas contre la tigre. Vous avez raison. Je ne saurais pas gagner contre la tigre. Dans le physique, vraiment, mais. On m'a accordé cerveau pour penser. En fait, utilisant l'esprit, je crois que je peux lutter contre la vie. Écoutez, écoutez. Vous ne devez pas penser contre de l'étrange. Acceptez votre destin. Tout est fait. Même si vous avez peur, il ne suffit pas de lutter contre la vie. Nos anges, tigres et aller trop loin. Je devais lutter contre les tigres. Alors, les tigres, connaissant d'autres animaux n'aiment pas les rations. mon vieux mouton, est-ce que vous voulez en fait le tigre? Taisez-vous, vous n'êtes pas à avoir de sentiments. Vous ne voulez pas nous aider, pourquoi vous êtes même nous moquer? Allez d'ici, maintenant. Eh bien, je fais maintenant. Mais écoutez, je suis en attente de vos efforts contre le tigre. Si vous réussissez, j'assure notre notion sainte, pressant 3 résines de banane chaque jour à tous les moutons. Allez-vous. Maintenant, vous allez d'ici. Thank you.
je ne sais pas mon nom. Mon nom pas tout le titre, mais il espère ça un jour. Dire à un titre de courageux me fait peur parce que il croit l'histoire de Jean. Je vais demander de l'aide à Serre. Eh bien, je vais aller aussi à l'Auxerre. Je suis sûr qu'il y aura de bons résultats. Être sa bouche, comme ça.